château. Ah non, c'est rien de terrible. Non, mais je suis pas belle. Non, mais c'est pas la beauté. La précédente était meilleure, hein, ah bon, celle de l'autre fois. Là. Mais t'as fait quoi avec d'ailleurs? Mais je ne fais rien. Là. Tu fais quoi? Mais tu l'as perdu, c'est nous. Tu l'as perdu, c'est nous. Oui, parce que t'avais perdu ta caméra. Très sérieux. Ouais. J'ai très vite pu regarder si c'était bien. J'ai toujours un peu peur qu'il n'arrive pas comme c'est envoyé en douce pour y aller. Non, là en tout cas, ils sont bien arrivés, mais en fait, c'est très long, les films. Oui, voilà. C'était dur à regarder. Oui, non, non. Il est jamais le temps. Il est jamais le temps de la caméra qui tourne. C'est vraiment. Viviane nous filme aussi, hein. Ben oui, quand même. Je vais même filmer Gérard. Toi, tu photographies, non? Moi, je filme. Ah, tu filmes aussi, hein. Pas beaucoup de monde, hein, malgré tout. Hein. Pas beaucoup de monde. Hein. Bah non. C'est quasiment comme l'oculiste là. Mais maintenant, sa mère est morte, il paraît qu'il est très blanc. Bon, ça fait rien, hein. Ce qui compte, c'est ce qu'on a là et là. C'est assez difficile de parler d'un ouvrage comme ça. On ne sait pas trop par où commencer, donc j'ai demandé à Théo, qui m'a beaucoup aidé en relecture, et puis pour la biblio, donc, et qui connaît l'ouvrage, donc de poser les questions qui sont les questions que peut poser un lecteur parmi d'autres. Vas-y. Donc, déjà, bon, une première question, c'est juste, bon, on voit donc, que c'est un abécédaire, donc bon, ça implique forcément des choix selon la lettre. Juste question toute simple, finalement, comment est-ce que tu as pu trier donc, parmi tous tes articles, hein, parmi on va dire tes rushs, quoi, comment est-ce que tu as fait le montage de ton ouvrage? Ça a été très difficile parce que bon, au début je ne pensais pas faire un abécédaire, je pensais faire donc un ouvrage thématique avec des périodes, des écoles, des cinéastes, et puis bon, je me suis aperçu que ça débouchait pas sur grand chose, mais déjà j'avais pensé au fameux Corella qui devait relier les textes entre eux, et puis arbitraire pour arbitraire, donc on a décidé avec mon éditeur de trouver un montage par lettre alphabétique. Donc bon, pour certaines lettres c'était facile, pour d'autres moins. C'est-à-dire au fur et à mesure, donc il n'y a pas eu de préparation réelle de copie à l'origine. Donc je scannais comme ça un peu les textes qui me semblaient intéressants. Et puis donc il fallait après les reprendre pour les mettre en Word. Et certains ne franchissaient même pas cette étape, je les mettais de côté. D'autres étaient retenus. Parmi ces autres, il y en a qui n'ont pas été retenus à la fin. Pas tant pour leur qualité, mais parce qu'ils ouvraient vers des domaines donc, qui n'étaient pas développés. Il y avait deux ou trois textes sur l'expérimental d'Europe de l'Est. Il y avait aussi des textes sur l'infographie, la vidéo. Et l'ensemble, le premier montage qu'on avait fait, faisait près de 700 pages. Et ce n'était pas possible. Donc la première étape, la première chose qu'on a enlevée, c'était les films, parce que j'avais mis un certain nombre de films, et ça, c'était pas possible. On a enlevé cette partie. Et puis après, j'ai fait un montage, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait la plupart des pionniers. Mais là aussi, il n'y a que deux textes qui ont été écrits pour la circonstance, donc un sur le maître et un autre sur Walter Ruttmann. La plupart sont des textes qui existaient déjà, donc j'avais déjà écrit pour les commandes qu'on m'avait passées ou au sujet du décès de telle ou telle personne pour les textes de l'Encyclopédia Universalis. Donc, avec un terreau déjà existant, j'ai dû tailler, monter, etc. Puis bon, des choses apparaissaient
que je ne pouvais peut-être pas me résoudre à publier tel quel. C'est-à-dire pour certains grands cinéastes pionniers, il y avait 2 ou 3 feuillets, et pour des cinéastes contemporains, 15. Et puis, en montant petit à petit, au fur et à mesure, mais il y a eu une dizaine de passages, donc j'ai trouvé cet équilibre. Donc, mais ça peut être... on aurait pu, avec ce matériau, faire 2 ou 3 ouvrages comme ça, mais bon, il y a quand même un certain sens. Par exemple, j'ai tenu à ce qu'à l'ouverture, après mon texte de présentation qui dit comment je suis rentré dans le milieu, etc., j'ai tenu à prendre un texte général. Alors, pour le mettre dans l'ABCDR, j'ai dû tricher et j'ai dû mettre ABC des fondamentaux, puisque le deuxième texte auquel je tenais, c'était sur le cinéma abstrait. Donc, c'est très difficile de trouver alphabétiquement quelque chose qui est avant abstrait, mais j'ai pu trouver ABCDR des fondamentaux. Et comme ça, les 2-3 premiers textes, donc abstrait, ça peut aussi paraître comme un texte général sur une certaine catégorie de l'expérimental. Et donc, après ces textes donc, de présentation générale, j'ai mis des cinéastes. Alors bon, Arietta Wanger donc, sont des cinéastes assez anciens, et les problématiques qu'ils soulèvent donc, bon, peuvent se retrouver à diverses époques du cinéma expérimental. Après, donc, l'ordre alphabétique m'a conduit vers Carole Arcega, donc qui est plus récente, plus contemporaine, mais aussi qui soulève des problématiques. Donc petit à petit, il y a eu comme ça des recoupements, et bon, maintenant c'est un corpus qui existe, donc, du fait même de son existence, il trouve une certaine légitimité. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment pu répondre, mais voilà. Non, c'est vrai que bon, si on regarde le sommaire, on voit vraiment comme ça un peu 2 tendances qui se dégagent. Vraiment une donc, qui se concentrera sur les pionniers, qui finalement serait presque un peu pédagogique, disons, pour bon, par exemple une entrée dans le cinéma expérimental, hein, avec notamment le cinéma américain des années 60 ou les avant-gardes des années 20. Et puis on sent quand même une volonté de ta part d'insister sur l'histoire du cinéma expérimental français, qui est assez peu étudiée ou présente dans les ouvrages, hein. Notamment bon, voilà, à partir des années 60 jusque même à nos jours, quoi. Donc avec le mouvement des laboratoires par exemple, dont tu parles beaucoup dans ton ouvrage. Oui, donc malgré le changement donc, de cap, de plan, etc., tout ce que j'avais poursuivi au début se retrouve quand même là, puisque dans la première construction, j'avais mis évidemment les pionniers des années 20, donc ensuite les passeurs des années 30, comme Lenly, McLaren, et puis les Américains des années 50, 60, etc. Et donc les Français des années 70 à 2000, en sachant que bon, y a un phénomène, et que je constate depuis que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma expérimental, c'est que les Français sont toujours mis à l'écart. Et là, on a vu il n'y a pas longtemps des films italiens de la même époque, alors que les Italiens ont arrêté leur coopérative dès les années 60. Ils ont été historicisés parce qu'ils sont passés un peu aux États-Unis, etc., alors que leurs films sont de moindre niveau si on compare à ceux de Dupuis, Clonaris ou Marty. Donc moi, je n'ai jamais réussi à comprendre cette chose. Et donc, il y a déjà eu un exemple uniquement sur le cinéma français en 2000, donc Jeune durée pure. Et moi, j'ai voulu faire autre chose en mettant un certain nombre de cinéastes français, je crois qu'il y en a 22, si je me fie au premier plan que j'avais fait, donc le cinéma des pionniers, le cinéma américain et les Français, j'avais mis un chapitre, donc il y avait 22 cinéastes, et maintenant ils sont disséminés dans toute la surface, et je pense que c'est pas plus mal, hein. Donc, puisqu'on rencontre à diverses époques ces cinéastes donc des années 50, puisque j'ai mis le maître Izu jusqu'aux années 2000 avec 4 représentants des laboratoires, donc on rencontre des problématiques qui se retrouvent un peu partout dans le monde, et moi j'ai toujours été comme ça outré du fait que les cinéastes français ne soient pas reconnus. Donc
Mais je n'ai pas fait uniquement sur le cinéma français, j'ai voulu qu'ils soient fondus dans cette masse, justement, pour leur donner plus d'importance et aussi pour les légitimer d'une certaine manière. Voilà une réponse. Au niveau national, ce cinéma-là est bel et bien vivant, finalement. Justement, tu insistes beaucoup sur les diverses institutions. Alors, tu parles de Lightcone, de Revoir, de Point Ligne Plan, de Paris Expérimental. Ça, c'est peut-être la France est le pays le plus paradoxal sur ce sujet, puisqu'il y a plus que partout ailleurs, hein, puisqu'il y a 3 coopératives historiques qui fonctionnent. Dans aucun pays d'Europe, ça n'existe plus. Hein. Les Italiens, les Allemands, ils se sont arrêtés dans les années 60-70. Certains ont repris dans les années 2000, mais ils sont totalement différents. Et la plupart ne sont pas des coopératives, ce sont des distributeurs indépendants. Et moi, j'ai toujours été étonné, mais dès le début, un certain nombre de ceux qui défendaient le cinéma expérimental parmi les Français donc disaient qu'il ne se passe rien au niveau de la création en France. Ça c'est un problème récurrent. Je ne sais pas si un jour on arrivera à le résoudre, puisqu'en France, bon, c'est le seul pays où il y a une maison d'édition spécialisée dans le cinéma expérimental, donc Paris Expérimental. Un spécialiste, deux, puisque bon, il y a Revoir, mais aussi Low Wave, donc 3 coopératives. Donc, et il y a beaucoup de cinéastes étrangers qui circulent, notamment dans 2 mois, en septembre, donc au preview de Lightcone. Mais ils viennent ici, les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, les Américains, pour vérifier seulement que leurs films sont bien loués. Et à mon avis, ils ne regardent pas, ou alors de manière distraite, et en tout cas, ils n'essayent pas de retenir le nom des cinéastes français. Donc, je ne sais pas si un jour ça pourrait être résolu. Voilà. Parce que justement, on sent ton envie, en fait, vraiment, de montrer ça. Quoi. Le cinéma français est bien là. Finalement, toi, tu agis beaucoup plus comme actant que comme simple observateur finalement de ce qui se passe. Donc, toi en tant que journaliste ou en tant qu'historien, comment tu penses c'est-à-dire je n'ai pas été un acteur distant. Hein, donc je suis rentré dans le milieu avant même de devenir journaliste. Hein, donc je ne savais pas à la fin des années 60 ce que je voulais devenir. Est-ce que j'allais devenir cinéaste? J'ai fait un film en 69. Est-ce que j'allais devenir écrivain? J'ai écrit des poèmes. Est-ce que j'allais devenir distributeur? J'ai participé à la création du collectif Jeune Cinéma. Donc je ne savais pas. Donc puis je m'ai intéressé aussi au cinéma en général. Et puis j'ai pu un petit peu mélanger tout ça, mais à part, disons, dans les années 90, on avait l'impression que le cinéma expérimental était mort, puisque bon, là, l'art vidéo semblait avoir triomphé. J'ai toujours été un acteur de l'intérieur, hein, donc bon, je suivais les gens. Donc là, on voit le cinéaste français, mais on voit aussi beaucoup de mes contemporains des années 70, donc qui maintenant commencent un petit peu à être reconnus, comme Dupuis, Clonaris, Tomadaki, Marty, Hernandez, etc. Donc bon, qui, vu la qualité de leur travail, ont une reconnaissance médiocre comparée à cette qualité. Donc. Et puis, bon... À la fin des années 90, j'ai rencontré les gens des laboratoires. Je pensais que tout ça était mort, et puis soudain, donc, j'ai découvert les films de Jean Naveau, de Hugo Verlin, de Carole Arcega, donc de Nicolas Rey. Donc soudain, il y a eu comme ça, à cette époque donc, de No Man's Land, justement, où aussi bien le cinéma expérimental que l'art vidéo était en attente de nouveaux souffles, en attente d'une fin programmée peut-être, puisque le numérique se dessinait. Donc il y avait quelques personnes qui en profitaient pour racheter du matériel dans les laboratoires qui fermaient, et donc qui ont d'une certaine manière totalement réinventé donc le cinéma expérimental. Donc c'est pour ça, donc il y a 4 ou 5 d'entre eux
qui figure dans le livre, qui figure en tant que cinéaste, mais aussi en tant que militant de la cause, voilà. Si on a juste donc à faire un ouvrage assez historique, c'est aussi finalement quand même une somme donc d'un certain nombre de tes articles, et on a vraiment en fait l'impression d'un livre finalement assez personnel qui en fait suit ton évolution autant en tant que journaliste mais aussi en tant que cinéphile. Et est-ce que bon tu penses parce que la cinéphilie dans le milieu expérimental a été beaucoup moins disons mise en avant ou en tout cas étudiée que par exemple la cinéphilie des cahiers, est-ce que tu te sens d'une cinéphilie expérimentale ou Non, je ne pense pas, parce que bon, pour être cinéphile, il faut d'abord être cinéphile en général. Bon, ceux qui se sont dit cinéphiles uniquement expérimentaux, il n'y en a quasiment pas. Hein. La plupart de ceux que je vois, hein, on voit parmi les tout jeunes maintenant, ceux qui viennent, ceux de ton âge, ceux qui viennent après la génération des laboratoires comme Enrico, etc., ils sont cinéphiles en général, hein, comme Nanako, etc. Donc, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas être cinéphile uniquement en étant cinéphile du cinéma expérimental, c'est pas possible. Il faut aimer le cinéma en général, il faut avoir, être cinéphile, avoir une démarche donc d'aller voir des films, de programmer ses propres visions, ça implique une discipline particulière, donc on retrouve pour ceux qui voient des films américains ou cubains ou d'autres, ou expérimentaux. Hein. Donc moi, quand j'ai commencé, je voyais toutes sortes de films, et j'avais j'étais fasciné par les films de la Nouvelle Vague, par le cinéma fantastique, et aussi par le cinéma expérimental. Et j'avais éprouvé dès le début cette réticence qu'il y avait dans chacun de ces microcosmes quand on parlait de quelque chose d'autre. Quand j'étais parmi les gens qui aimaient le cinéma fantastique, bon, il fallait pas parler de Nouvelle Vague ou de cinéma expérimental. Quant à ceux qui aimaient donc la politique des auteurs, donc ceux qui aimaient la Nouvelle Vague, bon, bah, il fallait pas leur parler de cinéma fantastique et de cinéma expérimental. Et ceux qui aimaient le cinéma expérimental, donc bon, ils trouvaient que l'autre cinéma, tout autre cinéma, ils appelaient ça cinéma hollywoodien, donc avec des raccourcis comme ça, donc bon, c'est peut-être pour ça que le cinéma expérimental a pâti en France, parce que bon, il y avait très peu, du moins jusqu'aux années 2000, très peu de défenseurs qui étaient aussi des cinéphiles en général. Donc un milieu, même aujourd'hui, un milieu se constitue difficilement, hein, parce que chacun va voir les films de ses amis. Il y a difficilement un milieu de gens qui vont voir du cinéma expérimental uniquement. Hein. Donc je pense que l'attitude cinéphilique active, donc qui classe, qui historicise, etc., n'appartient à aucune catégorie. On est ou on n'est pas cinéphile. Si on n'est pas, on ne peut pas se dire cinéphile de cinéma expérimental, c'est pas possible. Comment mais oui, je me situe toujours au mauvais endroit. Donc bon, je ne sais pas encore. Bon, ces derniers jours, je ne suis pas allé à Cinémathèque, mais je suppose que bon, les cinéphiles dits traditionnels, donc bon, soit me contourneront, soit me regarderont de travers. Donc bon, je ne sais pas, c'est difficile. Mais enfin bon, j'ai vaincu une autre réticence, c'est que bon, venant d'un milieu extérieur entre guillemets expérimental, puisque bon, j'écrivais dans j'écrivais dans Libération, dans des revues à grand tirage à l'époque, les revues des ciné-clubs, etc. Donc il y avait une méfiance des gens du milieu expérimental envers moi. Donc dans certains colloques des années 70, je n'étais pas invité parce que je représentais la grande presse. Donc bon, je pense que bon, il y a eu tellement de méprise. Moi, je pense que c'est surtout dû à une mentalité française, tellement de méprise que bon, c'est très difficile. Donc là aussi, la formalisation de cet ouvrage, donc, s'est fait aussi très difficilement. Justement, donc, je
ne sais pas, je pense qu'aujourd'hui, je pense, mais bon, je ne rentre pas dans leur tête ou dans leur inconscient, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait très peu de gens du milieu expérimental qui trouveraient que c'est une supercherie, mais il y a 10 ou 15 ans, il y en aurait eu un certain nombre. Voilà, donc... Vas-y, Jean-Paul. Mais... Oui, à toi. Moi, j'aimerais tout d'abord... remercier beaucoup Raphaël Basson d'avoir fait ce travail, parce qu'on se connaît quand même depuis les années 70 et que sa persévérance pour arriver aujourd'hui à faire cet ouvrage, même s'il a écrit beaucoup de choses, je trouve que c'est très très bien et que je le remercie du fond du cœur d'avoir fait ce livre. Voilà. D'avoir fait cet ouvrage, d'avoir eu cette force vitale de le faire envers et contre tout, parce que ce cinéma est toujours un cinéma en dehors. C'est développé un peu plus après 81, mais voilà. Et donc, c'est la chose la plus importante pour moi, et j'ai envie de te dire merci. Le problème, c'est que bon, ça ne deviendra jamais un cinéma majoritaire, hein, comme il y a la musique de Clavecin, etc. Donc, mais écartons un peu les marges. Je pense qu'on peut encore écarter les marges. Donc, et là, dans cette première partie, donc avec les questions de Théo, j'ai surtout répondu sur l'ouvrage tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire assez refermé sur le cinéma dit expérimental au premier degré, mais dans mon premier projet, je voulais m'ouvrir au cinéma essayiste, etc., faire une jonction avec Godard et d'autres, mais bon, par manque de place, il n'y a pas eu, j'ai pas pu, mais d'autres cinéastes comme Van der Keuken ou Boris figurent quand même, donc... moi, je me suis ouvert au cinéma donc qui est représenté dans ce livre à la fin des années 70, disons vers 80-81, quand je suis allé au Festival du film abstrait de Montpellier. Avant, j'étais un partisan du cinéma underground, et c'est pour ça que je n'ai pas repris certains des premiers textes, qui est notamment le texte que j'ai fait en 74 sur le Festival de Knock. Donc, j'étais très, très opposé au cinéma structurel. Je pensais que, bon... surtout, là on voyait les films des épigones, donc le texte s'appelait « Le jeu de la structure et du sens ». Il disait, bon, il n'y a plus de films de contestation sexuelle, il n'y a plus de films de contestation sociale, donc presque tous les films se ressemblent. Et puis, bon, moi j'étais donc proche des surréalistes, j'ai été très déçu au fur et à mesure, et ça reste toujours une blessure, quand j'ai découvert que Breton n'aimait pas beaucoup le cinéma expérimental formaliste. Mais malgré tout, j'étais proche de lui, j'étais proche aussi de l'underground, des poètes beatniks, etc., et donc du cinéma underground, donc qui se faisait dans les années 60. Et donc peut-être que en 72, 13, 14, je n'étais pas trop partisan du cinéma totalement expérimental. Mais bon, aujourd'hui, j'essaye de voir tout ça d'une manière générique et synoptique, si c'est possible. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi. Salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'article à la lettre B, il n'y a pas d'article sur Basson. Oui, mais non, mais en fait, Basson est un peu présent partout, hein, oui, parce que c'est l'histoire d'un parcours, donc je parle à la première personne, donc je suis très présent. Bon, à un moment, on avait pensé à faire une biblio de moi, mais bon, ça aurait été peut-être un peu trop appuyé, et bon. Là aussi, les gens auraient pu être vexés. Peut-être que certains seront vexés. Peut-être que je recevrai des mails d'insatisfaction. Je ne sais pas encore, hein, puisque très peu de gens l'ont encore entre les mains. Donc, j'ai quasiment pas eu de retombées. Hein. Plutôt des retours. Parce que les retombées, retours, oui, ça serait mauvais pour toi. Oui, des retours. Oui.
Oui, pardon. Moi, je n'ai pas lu le livre encore, mais donc, tu as fait beaucoup de choses pour le cinéma différent, notamment avec Marcel Mazet. Tu, oui. Tu as parlé de lui dans les livres. Au début, oui, ah, oui. Et puis, dans un article, oui. Parce que Marcel Mazet, il a fait un travail formidable quoi, pour le cinéma expérimental, avec la création du festival d'hier dans le sud de la France. Ce n'est pas lui qui l'a créé, attention. Oui, là, sais, c'est... Tu faisais oui, partie oui, oui. de l'équipe du départ. Oui, oui. Quand Maurice Périssé nous a donné la permission. Oui, c'est ça, hein, donc, et là, oui. c'était formidable parce qu'il y avait des cinéastes expérimentaux d'Europe, des États-Unis, oui. de partout dans le monde. C'était une réunion annuelle formidable. Oui, oui. Je parle donc, bon, au début, à l'ouverture, bon, bah, quelqu'un m'a demandé s'il fallait lire. Donc, bon, là, je vais lire quelques lignes puisque, bon, voilà, depuis la genèse de ce projet en octobre 2010, quelques membres de la tribu élargie du cinéma dit expérimental, cinéastes, critiques, programmateurs, nous ont quittés. Robert Breer, Marcel Hanoun, Maria Clonaris, Étienne Léry, Giovanni Martedi, Marcel Mazet, Alain Virmaud, Stéphane Voskin. Cinéma expérimental, abécédaire pour une contre-culture, leur est en priorité dédiée. Contre-culture, effectivement, mais par vive de la culture et culture à part entière. Comment s'est-elle formée et comment en suis-je devenu membre? Donc, c'est 350. 50 pages le disent ou le décrivent ou le sensibilisent, oui. Et est-ce que vous avez trouvé un conducteur imaginaire, enfin quelque chose, un parcours par lequel le lecteur pourrait s'arrimer pour comprendre Oui, donc il y a les textes d'introduction et puis après chaque texte, il y a des corrélats. Qui oui. renvoie, donc, par exemple, pour Gérard Courant, qui est là, donc, Dominique Noguez, avec qui il a été proche, Morder, Paini, Super 8, Warhol. Donc, il y a des entrées, comme ça, oui. Des clés pour ouvrir votre porte. Oui. Et est-ce qu'il y a une vidéo... une vidéothèque conseillée ou Il y a à la fin, oui, il y a 30 ou 40 pages de biblio ouais. et vidéothèque plus réduite parce qu'on s'en sortira. Oui. Voir, oui, à la fin, oui. Ceux qui sont édités. Oui. Il y en a encore beaucoup qui restent. Oui, mais c'était pas possible puisqu'il y a déjà une cinquantaine de pages de biblio et d'index. Plus que ça, ça aurait été indigeste. Hein. Mais il y a des fils conducteurs, oui. J'ai essayé de retrouver les fils conducteurs du début, puisqu'au début, je pensais faire un livre thématique, donc en commençant avec des textes généraux, après en traitant des années 20, 30, 40, les pays dans les divers pays, pas seulement en Occident, mais en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc. Il y avait des... Mais bon, on n'a pas retenu les films tchèques, polonais, parce qu'ils auraient fait comme un cheveu dans la soupe, dans cet ensemble, il n'y avait plus de place. Donc, et l'éditeur m'a dit que malgré tout, donc on s'y retrouvait pas trop, et donc on a opté pour l'abécédaire avec des renvois. Mais il y a des textes du début qui indiquent, mais c'est lié à mon parcours. Hein. Donc à côté de chaque texte, il y a la date et l'occasion pour laquelle il a été écrit. Bien. Donc à chacun quand même à partir de là de faire un montage. Voilà. C'est l'ouverture sur une culture quand même. Oui. L'underground. Vous soulignez tout à l'heure, ça intéressait pas beaucoup de gens. Mais ceux que ça intéressait aimeraient bien effectivement retrouver ses repères. Enfin, moi, c'est pour ça que Il y a quelques repères, oui. Il y a pas tout, mais bon, il peut pas y avoir tous les repères. Hein. Parce que oui, c'est aussi bien ton parcours que l'histoire de la réception du cinéma expérimental en France. Parce que, par exemple, tu parles très bien de cette manifestation en 67 qui a révélé le cinéma underground new-yorkais à beaucoup de cinéphiles. Pour moi, mais certains plus âgés, comme le décrit Eisenschitz lors de la conférence sur l'emploi, avait déjà vu des films underground en 64, mais c'était dont Étienne Oléry. En 67, oui, c'était plus frappant, ça durait pendant deux mois de septembre à novembre, et c'est là que Dominique Noguez a vu
cet ensemble de films expérimentaux. Il y avait donc des films de Anger, etc. Mais il y avait aussi des films structurels, mais la dénomination n'avait pas encore été trouvée, puisque c'est 2 ans après que Sidney va la trouver. Donc bon, il paraît que ça s'est fait dans la douleur, comme nous a dit Eisenstein, puisque bon, Langlois aimait bien les films des années 20, mais il ne s'entendait ni avec Mekas, ni avec Sidney. Et donc, bon, en nom d'ouverture d'esprit, il a quand même accepté. Donc, il paraît que, bon, c'est Noël Birch qui a mis en contact Mekas et Langlois. Je ne sais pas si c'est une légende, mais peu importe, hein, les légendes sont aussi valables que les faits dits vrais ou véridiques ou vérifiables. Donc, voilà, et puis, je crois que c'est Langlois qui a trouvé ça, puisque... je dis ça parce qu'il présentait, donc, dès que j'ai commencé à aller à la Cinémathèque, il y avait un programme qui s'appelait Avant-garde surréaliste et dadaïste. Et donc là, il a appelé ça Avant-garde pop et beatnik, parce que bon, c'était ce qui marchait à l'époque. Ça, c'était en 67. En 67, okay. Oui, à Chaillot et à Ulm, d'ailleurs. Oui, à Chaillot, c'était les samedi et dimanche. Et puis le gros, c'était à la rue d'Ulm, hein, quand même. Et donc là, beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que presque toutes les séances étaient pleines. Je me souviens que Michel Simon ou Hubert Niogret, qui n'étaient pas fans de ça, venaient quand même. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a une manifestation comme ça, très peu de cinéphiles ou de critiques non intéressés viendraient. Hein. Il y avait encore cette chose d'une culture encore à venir, probable. Donc aujourd'hui, les choses se sont à nouveau refermées. Hein, parce que, je constate, par exemple, en regardant la sélection de la quinzaine des réalisateurs de cette année, de la semaine de la critique, qu'il n'y a aucun film expérimental. Donc j'ai vu sur catalogue, j'en ai vu quelques-uns en salle. Donc, alors que bon, Pierre-Henri Delot, donc, qui a fondé la quinzaine des réalisateurs en 69, et avant la semaine de la critique, il y avait Louis Marcorel ou Marcel Martin, on retrouvait des films expérimentaux tant dans les courts que dans les longs métrages. Donc maintenant, c'est des gens très valables d'ailleurs, mais qui sont chevillés à une vision de la cinéphilie plus auteuriste, etc., et qui ne souhaitent pas présenter de films expérimentaux. Je suppose que dès qu'ils voient un film non narratif, ils arrêtent. Mais tout ça, c'est par cycle. Donc, on pense que des choses sont acquises, et puis on s'aperçoit, il suffit que d'autres bonhommes viennent, et puis tout est à reprendre, en fait. Alors, je ne sais pas si ça reste dans la mémoire de certains ou non. Donc, on ne peut pas être prophète. Hein. Donc, il suffit que bon, certains rédacteurs ou certains responsables changent, et puis ça s'améliore ou ça se détériore. Donc maintenant, pour la première fois, par exemple, les cahiers ont une rédaction totalement renouvelée. Avant, il y avait des renouvellements relativement réguliers, mais il y avait une certaine doxa dans les derniers... arrivant, ne connaissait même pas les tenants et aboutissants, mais bon, parmi les alphabets de cet évangile, il y avait la mise à l'écart de l'expérimental. Maintenant, avec la nouvelle équipe, et donc on voit qu'elle est vraiment nouvelle, puisque à part un ancien rédacteur, il n'y a pas de grands Manitou, des anciens cahiers, il y a des ouvertures, on arrive à quelque chose d'autre. Bon, je ne sais pas si je fantasme, mais bon... Moi, je me fie à l'observation. Je suis plus un observateur qu'un théoricien, donc un témoin, comme écrit très bien Dominique Paigny. Je suis un témoin, donc je vois, tiens, je regarde, j'épluche un programme, tiens, il y a 0 films expérimentaux cette année. Donc voilà, comment ça se fait? Bah, c'est parce que les responsables, bon, sont des cinéphiles purs et durs, carrés, basiniens, etc. Donc, voilà. Oui, en tout cas, t'es pas un observateur passif, donc le texte. Non, bah, l'observateur n'est jamais passif, non. Enfin, je veux dire, cet ouvrage, justement, c'est déjà une façon quand même de revendiquer. Oui, bon. De façon plus visible que. Mais là on est à la préhistoire de son parcours. Est-ce qu'il sera admis, est-ce qu'il sera rejeté? Pour l'instant, je n'ai aucune retombée, donc.
je ne peux pas savoir. Mais bon, c'est vrai que bon, le fait même que des livres se publient, que l'enseignement, par exemple, l'université est plus en avance que la critique dans ce niveau, à ce niveau, puisque bon, ça fait déjà une quarantaine d'années depuis que Noguès, Zikman, Fiman et quelques autres ont introduit le cinéma expérimental à l'université, alors que bon, dans les journaux, il n'y a jamais eu une politique cohérente. On en a trouvé une définition et puis il a accepté trois ou quatre textes. Alors on ne sait pas, je ne voudrais pas que bon, le cinéma expérimental reste toujours un cinéma de contrebande. Donc bon, mais ça ne dépend pas de moi. Hein, donc, puisque tu parles de l'université, il y a quand même une chose qui s'est développée depuis 1984, Claude de Brunel a installé ça, c'était les options cinéma dans les lycées. Ah oui. Et moi j'ai travaillé avec Claude pendant des années, et puis je me suis arrêté en juin 2013, donc c'est très récent. Et je veux dire avec vraiment force et vigueur que les jeunes ont spontanément font un cinéma différent. Ils sont complètement enfermés dans le narratif au départ, mais quand ils réalisent leur film, quand ils le montent, quand ils commencent à s'apercevoir que ce qu'ils veulent dire, ils le disent autrement que dans un cinéma narratif traditionnel. Et ils utilisent le montage, ils utilisent la prise de vue, et ils font des choses très plastiques ou très psychologiques, mais autrement. Et moi, je n'interviens que parce que je peux leur répondre. Mais je leur dis pas de faire ceci ou de faire cela. Et depuis des années, je m'aperçois que ce que l'on dit être cinéma différent, expérimental, une élite, c'est bon. Eh bien, c'est quelque chose de presque naturel chez un bon tiers de ces élèves qui faisaient les options cinéma. Et ça, ça m'a vraiment réconforté. Et c'était aussi la seule façon pour eux de faire un film qui les exprime totalement. C'est-à-dire de ne pas passer par la narration traditionnelle, d'utiliser l'image et le son comme un langage et d'avoir un accès direct à ce langage et de l'exprimer clairement comme ils avaient envie. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel à dire. Et il faut développer ce sens de la réalisation filmique à travers tous ces jeunes qui finalement ne sont pas on pourrait croire qu'ils sont dans le narratif, et bien non, quand ils font quelque chose, ils ne sont pas dans le narratif. Pour eux, c'est naturel de ne pas être dans le narratif. Alors, je dis ça. Oui, oui. Oui, oui, tout ça, je l'ai envisagé, mais ça arrive trop tard. Et maintenant, tous ces jeunes vont s'exprimer par le numérique. Et en mettant de côté, il y a un tiers aussi, donc on n'a pas parlé de ça, il n'y a pas que des textes sur des cinéastes, il y a des questionnements sur l'identité, sur l'écologie du cinéma expérimental. Ce que tu dis est vrai, mais parce que tous ces jeunes, maintenant, ils ont l'habitude de voir des images partout, et ce qu'ils feront n'aura pas de rapport avec le cinéma expérimental. Ils feront des choses faciles, mais avec des caméras numériques, des téléphones portables. Et qui leur apprendra à faire la jonction avec le cinéma expérimental? Je ne sais pas. Donc là aussi, c'est envisagé. Donc on va vers le tout à l'image, mais est-ce qu'il restera? Et je suppose, donc, les revues dont je parlais avant, qui sont fermées au cinéma expérimental, admettent quand même des textes sur ce qu'ils appellent les arts visuels, ou les mixtes médias, etc. Donc, mais parce que c'est hors des catégories cinéphiliques. Donc bon, il va certainement y avoir des gens qui vont filmer avec des petites caméras, mais Quel rapport il y aura avec McLaren, avec toi, avec d'autres? Aucun. Il y a un rapport indirect, et je trouve que dans les courts-métrages des jeunes gens, il y en a beaucoup qui sont influencés par les clips.
pas oui, qui oui. voient la télé. Mais les premiers, la première génération de clippers a été très fortement influencée par les cinéastes expérimentaux. Oui, donc oui. Il y a une influence directe, mais occulte. Oui, oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc tout le monde. Si, c'est toujours le cas, mais les gens même qui font les films ne le savent pas. Oui, mais ils vont contourner l'appellation. Non, mais il y a plein de films de science-fiction à grand spectacle. Donc il y a 30 ou 40 ans, tout le monde sortirait de la salle. Et les gens restent. Pourtant, les éléments narratifs ne sont pas évidents. Les jeunes sont habitués donc à passer d'une réalité à l'autre, mais ils ne relient pas du tout ça à une culture spécifique qui serait la culture expérimentale. Ils relieraient ça à une culture contemporaine, à la culture numérique des années 2010. Donc, mais ça, c'est le rôle des passeurs, c'est le rôle des gens qui ont une influence dans des structures et autres à développer leur champ de vision et pas avoir un champ de vision fermé. Et que le fait qu'il y ait de la vidéo numérique sur le numérique donne la possibilité à tout le monde de faire des choses de qualité techniquement parlant et ne plus dire bon, on fait quand travailler avec de la pellicule, travailler avec les labos pour faire des caches contre caches, machin, des trucs. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement facile de faire ce genre de choses. Donc ça remet en question complètement une forme de création dite expérimentale et différente. Donc je pense que si ces passeurs-là reprenaient les choses à leur compte, vraiment en considérant que la créativité audio et visuelle est fondamentale, ça permettrait aux jeunes de savoir, de connaître un peu l'histoire, parce qu'ils connaissent pas l'histoire de ce cinéma, depuis le début du cinéma, depuis les Frères Lumière, etc. Eh bien, ça permettra à ces jeunes de savoir pourquoi ils font ça. Avant, il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a ça. Et demain, il y aura ce que eux seront capables de faire et pas reproduire ce qui se fait. C'est ce que les gens des années 70 ont fait. Avant, c'est la même chose. Il y a toujours une remise en question des formes du discours et il n'y a plus, effectivement, il y avait une opposition entre le cinéma militant et le cinéma différent dans les années 70. Et moi, le premier qui disait, bon, on peut avoir un discours révolutionnaire, mais en ayant une forme révolutionnaire et pas une forme réactionnaire. Donc c'était quelque chose qui n'était pas comprise. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Les jeunes sont dans l'image, ils se sont appropriés cela, et maintenant il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils peuvent dire et comment ils peuvent le dire et avec quels outils. Et Claude avait fait un colloque il y a des années de ça, quels outils pour quels usages, voilà, on est en plein dedans, et il faut que tous ces gens qui ont fait des choses dans les années précédentes se resituent, repose les problèmes avec l'aide de gens comme toi, en écrivant des livres comme ça, pour resituer les choses, pour les comprendre et puis pour donner envie de continuer à faire ça. Oui, mais les jeunes dont tu parles, ils ne sont pas dans des petits groupes. C'est éclaté maintenant, il y a des dizaines de milliers. Donc, comment tu vas leur donner tous, ils continuent tous à faire de l'image. Il y en a un tiers qui continuent, qui veulent faire ça, et bien ça change les choses, ça change les choses. Bon, c'est pas d'être JRI à la télé, c'est aussi d'être créatif dans leur domaine. Non, mais là, c'est pas l'histoire de l'instrument ou non. Il y avait une projection des films de Kirchhoffer il y a un ou deux mois, et lui, donc il a parlé après la séance, et il a dit que le nouveau numérique, maintenant, de par sa précision, lui permet à nouveau de regarder ses images de près comme il le faisait avant, donc avec l'argentique. Donc, alors, ces nouveaux instruments seront utiles pour faire des choses dans la continuation du cinéma expérimental, etc., mais pour des gens déjà formés.
Mais la facilité d'exécution que donne aujourd'hui le numérique ne rendra personne conscient de s'inscrire dans une tradition de cinéma, soit expérimental, soit de recherche, ou militant. Je ne pense pas, je ne sais pas. Ben oui, c'est aux gens qui sont responsables de ça, de prendre conscience, et d'amener les jeunes à comprendre, à s'approprier cela, à comprendre cela. C'est bien sûr, si personne ne fait rien, on restera toujours dans une petite sphère. Donc là, ça devrait être fait au niveau des lycées, donc moi je ne suis pas du tout compétent pour ça. Hein, donc, au niveau des lycées, je peux t'interrompre, tu sais bien qu'il y a eu la création des sections cinéma, oui. Hein, et que certaines sections justement ont développé le cinéma expérimental. Et maintenant, il y a plus de 100 sections en France, c'est le premier pays au monde qui a développé ce genre d'enseignement. Moi, je ne suis pas au courant, mais Théo, qui est de la nouvelle génération aussi, est-ce que tu connais des gens qui... J'ai pas fait cette option, mais c'est vrai qu'en général... Non, mais moi, je ne suis pas... Mais simplement, il y a quand même... Oui. Il faudrait le développer beaucoup plus, qu'il y ait plus de cinéma, des cinéastes expérimentaux, justement, qui interviennent dans les établissements scolaires. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ce milieu. Il y a Nicole qui est au fond, là, qui pourrait peut-être en parler. Moi je peux rien dire, là, donc... C'est apporter une information. Oui, merci à ce niveau, mais bon, là... Aux nouvelles générations de se reconnecter avec la sphère cinéma dans laquelle vous êtes attaché. Espérons, oui. Donc, c'est une bonne nouvelle, il y aura plusieurs milliers d'exemplaires de bons films. À la librairie du cinéma du Portugal. C'est possible. Je propose qu'on continue les discussions et les dédicaces autour d'un petit verre. D'accord. Raphaël Basson, bravo pour votre ouvrage. Oui, merci. Je n'ai pas cité l'éditeur, c'est Yellow Now. Tu as tout filmé alors? Ah oui, bien sûr. Non. Ce sera quoi Son image de marque. C'est... Monsieur Cinéma. Le playboy du cinéma. Oui, c'est pas mal ça. Tu devrais... Oui. Gérard Souran, ben oui. Le playboy du cinéma. Ben oui, c'est pas mal. Boris Lehmann. Et il va encore un film sur moi. Oui, encore un film sur ma table. Inimaginable le nombre de films que j'ai avec Boris. Je ne veux pas imaginer. Bah, écoute, ça ne m'étonne pas, finalement. Mais hein. Toi, tu es immortalisé par petit... moi. On va trinquer un petit coup. À toi Gérard, c'est bien que tu fasses ça. Ah bon? C'est quand même... C'est pas possible. Oui, c'était devant moi. Ah oui, c'est vrai. Ah, étonnant. Non, c'est juste ça. Parce que ça, c'est... J'ai les rushs, tu vois. Ça doit être monté. Je sais pas comment le dire. Je suis une vieille amie et cinéphile aussi, donc je travaille aussi en programmation cinéma. Je suis pas encore un peu temps pour qu'elle soit... Non, mais... On sait pas comment le dire, alors. Non, on est prêt à dire l'ami de Raphaël. Oui. Mais il a rencontré personne, du coup. Non, il n'y a aucun jeune, ni des filles. Oui, des filles. Non, mais du collectif, il n'y a personne. Ouais. Ils sont tous... Ils ne sont pas partis à 100%. Ils sont tous au feed, je crois. D'accord, je vais sourire, je vais dire que c'était un énorme plaisir d'être ici et j'espère que j'ai une série de télé, je peux utiliser ça aussi. C'est très américain. Quand on a un accent comme le mien, on dit n'importe quoi et tout le monde pense, peut-être j'ai mal compris. Alors c'est parti. Bon, j'ai un rock. Tu... Ouais, ça va. C'est pas mal. On va être en 3D là maintenant. Ah ben voilà. C'est très bien.